Vous êtes le dernier espoir de Farul. Eh ben. Cherchez Ilbrant ou dans Bois Tuyé. On t'a tué ton mari. Pardon. J'aurais dû me taire en fait. C'était complètement con, désolé. J'attendais pas. Ben moi non plus, moi non plus. Ah ben moi non plus, tu crois que moi oui peut-être. Bon, on va l'appeler Kaangrin. Voilà, c'est décidé. Kaangrin l'érudit. Please kill me. C'est à Kaangrin de combattre. Ça c'est quoi ça, c'est... Maintenant on veut pas fuir le combat, imbécile. Pardon. Utilisation de connaissances. C'est une explosion de zone. Ah, ça les attaque tous en même temps. C'est les points de concentration. Ouais, utiliser la concentration pour réussir les jets d'action. Mais il va pas foirer quand même, Kaangrin. Tu vas pas nous déshonorer. T'as des premiers combats quand même. Oui. Ah, bah il a quand même raté un, hein, quand même. Et pourquoi moi le ménestrel? Alors qu'il y a un vaillant combattant au milieu là. Ah ah, tiens, je vais essayer de le confusionner. C'était beau, hein, mais un peu ridicule, mais. Ah, il a pas aimé ta chanson. En fait, personne n'aime ta chanson. Pourquoi c'est moi qui prends cher? Je comprends pas. Je ne sais pas, mais en tout cas... Ah, provocation. Attirer l'attention 80%. Donc ça, on ne l'utilisera pas. Oui, c'est bien ça. Non, ça va. J'ai déjà perdu la moitié de mes points de vie. Oui, bah tu te soigneras. Hein. T'as de quoi te soigner, je crois, non? Alors... Est-ce que j'ai de quoi me soigner? J'ai des herbes. Ouais, mais j'aimerais. Ah, je peux choisir celui que je vais attaquer. Qui. Bon, on va attaquer lui. Tiens, prends-toi ça à la figure. Ah, bah voilà. Donc, ils sont niveau 0. Donc, si on crève, c'est vraiment la honte. Hein. Bien précisé. C'est quoi sa vague? Ça on donne 6 dégâts. Oh, bah, j'espère pas. Si ça chante sur moi, remarque, il y a une chance que je perds. Mais non. Ça fait des dégâts de zone. Par contre, ça fait moins de dégâts. Ce qui est normal. Je vais attaquer plutôt l'autre. Celui-là, parce que. Enfin, celui. Tu vois la cible que je. Ouais, que je le vois, ouais. Je vais attaquer celui-là parce que. Il a l'air de faire très mal, donc. Autant se débarrasser. Oh, imparfait. Bravo, Kaangrin. Oh, c'est beau, ça. C'est très beau. Ah, oui, c'est pas sur moi. Toi, tu vas te ramasser un coup, je le sens. Ça va être vif, du. Et on va achever. Enfin, on va essayer. Nope. Bon, on va pas achever. Une franche réussite. Hein. Une réussite, en fait, ce que j'ai fait. Vas-y, Kaangrin, achève-nous ça. Merci. J'ai Kaangrin. Il suffisait de demander. Hein. Ah, il a un peu foiré. Cette fois-ci. Un petit peu peur d'y aller, j'ai l'impression. Alors, voyons voir. Appareil de culte. Ce mécanisme étrange ne vous dit rien qui vaille, sans blague. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le démonter. Bravo, Kaangrin. Ah bah oui, bravo. Alors, 5% de réussite, 22% de réussite, 5... plus 5 dégâts de 30... Ah! Ah, c'est pas mal ça. Non, le 2 et le 1, c'est des dégâts pour nous. On va prendre 5 dégâts dans la figure, c'est ça que je crois que ça veut dire. Ah. Le 0. Ah ouais, non, te foire pas. Ah bah oui, voilà. Voilà. Mais il peut peut-être se concentrer, remarque, pour réduire augmenter les chances. Détruisez l'appareil de culte pour réduire le chaos, gagner une vie ou bannir un fléau. On peut gagner une vie. Total de vie. Chaque fois qu'un joueur est ressuscité, un total de vie diminue de 1. Ah! Donc on peut récupérer des vies grâce à ça. C'est intéressant. Ouais.
On va essayer de mettre une concentration. 42% de réussite. 47. 64. Bah là, écoute, bah, ça, c'est sûr de pas avoir un truc mauvais. Ouais, 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 mais ça lui enlève quand même 3 de concentration, quoi. Ouais. Allez, on essaye. Réussi. Je crois qu'on a bien fait. Hein. J'ai vu la chance qu'on a eue, a priori. Ouais. Ah oui, utiliser cette terre pour récupérer 15 points de vie. C'est ça où tu vas à l'auberge pour te soigner. À toi de voir. Les points de vie, ça attend, il y a un artefact. Ok, comme tu veux. Obtenir un... Ah, t'as quand même 38% de chance de recevoir 5 dégâts dans la figure. Hein. Ça peut faire très mal, ça, en fait. Oui, oui, mais tu peux avoir un objet. Avec 12%. Je vais me concentrer. Avec 35%. Concentrer très fort. 64%. Oui, je vais vraiment me concentrer. Oh, le trouillard, quoi. Mais attends, ça va pas. Ah oui, d'accord, ok. Faut que tu fasses creuser. Alors, t'as reçu quoi? Oh, un truc rare. En plus, c'est rare. 12 dégâts magiques en explosion. Ça, c'est pour, et c'est ça, pour ça, le c'est de la magie. Groupe en plus. Ouais, c'est de la magie. Je vais l'équiper. Ouais, vas-y. Ah, attends, je peux faire... oui, je passe de 6 dégâts à 12 dégâts. Ouais. Et je perds ma compétence de soutien à distance. La concentration ne peut pas être utilisée lors des lancers d'attaque. Ok, ça peut se briser en cas d'échec critique. Ou peut-être mieux une embuscade. Oh, je vais voir avec la concentration. Oh. 66% de chance de réussite. Ouais, on va laisser comme ça, non? Ouais. On va voir. Quand en green, tu fais aucun effort, hein, quand même. Je tiens à préciser. Hein. Voilà, ah bah ça voilà. T'apprendra. Voilà. Lui, il bloque les attaques physiques. Donc, lui, il va falloir que toi et Kangreen, vous devriez vous concentrer sur lui, du coup. Vous lui ferez plus mal que ce que moi, je peux faire, ah, je pense. Ah oui, effectivement, ouais, ouais. Du coup, je vais m'occuper de celui qui est à gauche. Oh, ça, ça lui a fait trop mal. Il a pris cher. Oh. Steve, j'ai. Allez, c'est ton tour. Alors, du coup... J'ai qu'un seul sort possible, c'est explosion. Et tu peux choisir sur un ou plusieurs? Non, ça fait sur tout le monde. Ok. Oh, c'est violent! Oh la vache! Oh, c'était beau! Oh, c'est énorme! Oh, c'était excellent, bravo, GG. Il le vendra, il n'y a pas de souci. De toute façon, on peut partager après les oui, pièces. Oui, oui, ça se fait, oui. Oui, on pourra le racketter, je m'inquiète pas. Oui, en fait, Kaongrin, il sert de mule et de racketage. Super. Du coup, on remonte c'est vers le nord. C'est un bon compagnon. Oui. Bah ouais, moi, je ferai un petit arrêt à Boissuyer pour récupérer un peu ma vie. Ok. Elle a pas l'air très gentille, hein. Elle a l'air très gentille, je te l'accorde. La plante qui est à côté surtout non plus. Sa plante. Oui, voilà, c'est ça. Elle n'aime pas Kangreen, je crois. Attaque affaiblie. Ah, ben. Attaque physique ou attaque. Attends, je vais regarder. L'attaque est temporairement réduite, donc ça veut dire toute l'attaque, quoi. Ah ouais, c'est tout, quoi. Toute l'attaque. Bon, on va attaquer la plante. Immunisée contre saignement, étourdissement, immunisée contre l'eau. La fée, les attaques magiques, ça lui fait pas grand chose, à ce qui paraît. Ouais, elle a 2 en résistance. Et je t'encourage! Sois reconnaissant, Kangreen. T'as pas mis du tien, quand même. Hein. Ouais, t'aurais pu faire un effort, quand même. Hop, alors je vais faire une explosion. J'aime bien parce que... On disait quoi sur les attaques magiques pour la madame Je crois qu'elle devait résister un petit peu, normalement. A priori, elle a pas beaucoup résisté. Ouais, je vois ça, la vache. Oh, on est niveau 1, tous les deux. Eh, GG. Partagé. C'est violent, hein, ton objet, enfin ta baguette là. Je trouve aussi, ouais. La vache, hein, c'est fou. Puis pour du groupe en plus. Ouais. On y entre.
Il est niveau 1, hein, mais c'est un autre niveau. Ouais. On entre avec le groupe. C'est noir. Oh, mais il y a des horreurs dedans, en plus. Oui, ils ont pas l'air très très amicaux. Oui, qui est l'abruti qui a décidé qu'il fallait rentrer là-dedans? Gangrene, hein. Oui. je crois qu'on va s'occuper du guerrier gobelin parce qu'il a l'air de faire plus mal que les autres. Et résistance physique en plus. Ouais. Vas-y, défonce-les. Allez. Ah! Ah! Ah merde! J'ai perdu mon bâton! J'ai plus mon bâton! T'as fait ton échec critique, hein, là, je dois avouer que c'était violent. Ah, et du coup, vu que j'ai qu'un seul test, ah, c'est violent ça. Ouais. Ah, il était pété, mais fallait pas trop l'utiliser. Oui. Oh, joli l'esquive. Ouais, c'était violent. Merci, Kangreen. Du coup, équipe ton. Sinon, j'attaque avec. Tes points. Avec mes points. Ah, ça va être lamentable. Comme par hasard, t'as repris ton lutte. Hein. J'ai que ça. Bah, je croyais que t'avais tes points. Oui, mais le lutte, c'est bien. Tu vois, regarde, je peux faire la petite musique à la fin comme ça. Je rêve ou je viens de récupérer des pantoufles là. Immunisé au gel, tu m'étonnes. C'est excellent. Allez, vas-y, récupère ça. Ah merde, je voulais l'équiper. Bon, mais tant pis. Attends, je peux pas l'équiper du coup. Équiper. De pouvoir. Vas-y, mets tes vilains chaussons, ce sera très bien. Et l'expérience. Qui sait, vous avez peut-être quelque chose de particulier. J'aime bien les trois petits points comme pour dire on ne sait pas peut-être trop. Peut-être que oui. Vraiment, et peut-être un petit truc, mais. Oui, mais je suis pas sûr, hein. Ça reste à voir. Hein. Enfoiré. Oui. Acte de décès. Oh non, ça c'est moche, ça. Il nous laisse les pires quêtes à faire, quoi. Alors veuillez. Oh, mais regarde le lac de décès, quoi. Ton mari est mort. Ça c'est son crâne. J'ai baigné son sang sur cette lettre, hein, pour bien te faire comprendre qu'il est mort. Qu'il a été tué. Ça t'a flé mal comme la ville en Belgique. Il a pas l'air très content. Enfin, ils ont pas l'air très contents. Ils ont pas l'air très contents. Ouais. Oh, il y en a trois, j'en avais vu deux. Mais arrêtez de manger. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Hein. Arrêtez de bouffer Kangreen. Oh, joli. Une cible unique qui a fait pas de dégâts. Ah, c'est fou, je vais peut-être l'endormir ou quelque chose comme ça. Ou faire confusion, quelque chose comme ça. Ouais, bon, je vais tous les attaquer pour cette fois-ci, parce qu'ils sont quand même un peu nombreux. Oh, le mec qui comment il se la pète, quoi. Excellent. J'ai adoré comment tu t'es jeté sur la scène comme un guitariste de ouf, là. J'ai peur de rien. Merci, j'ai vu. J'ai envie d'essayer, mais s'il est pas tout seul, je suis dans la merde, quoi. Mais non. Un vaillant combattant. Oh, allez vous faire voir. Ah, bah voilà, il est tout seul. C'est de la résistance magique, on t'aurait pas aidé. Est-ce que, par hasard, tu... Ok, j'avais pas besoin de vous, en fait. Tu l'as déchiqueté. du coup, je peux pas... Ouais, je récupère pour le moment. Je récupère pour le vendre. Je crois que tu pourras le vendre, ce bâton-là. Ouais. Je le sens pas. Un bassin profond. Concentration impossible. Obtenir un objet. Ah oui, j'ai plus de... Ah, 9% tu peux crever. 9% tu peux crever, hein. Non, mais je vais pas j'espère pour toi. Ouais. 17% de chance seulement d'obtenir un objet, ça fait quand même pas beaucoup. Ouais.
33% de passer un tour et 41% de rien. T'as eu de la chance, hein. J'ai eu une chance énorme. Ah, je suis encore obligé de passer mon tour. Toutes mes félicitations. Bah, au moins, t'es pas mort, hein, quelque part. Moi, je suis pas mort. Ah! Qui a... Qui a l'ordre de... C'est toi qui a le... Ah, je crois que c'est moi qui l'ai en plus. Ah! Attends. Oui, c'est moi qui l'ai. Bon, moi, je vais rester bien au chaud là-dedans. Hein. Oh, comment il se la pète, le rat, en plus. Et il va pas se la péter longtemps, à mon avis. Hein. En plus, il n'y a pas de bonus. Oh, ça, c'était beau, ça. Je suis Steve. Vas-y, Kaorin, défonce-moi ça. Enfin, évite de te casser un ongle, hein, aussi. Approchez, oh, je ne suis pas le roi de ces voyous grâce à ma courtoisie. Ça se voit, hein, j'ai envie de dire. Oh, il a 45 points de vie. Ah, oh, la vache. Ah, mais ils font mal, en fait. Ils bloquent les dégâts physiques. Mais c'est pas grave, vous avez de la magie. Ouais. Ok. Bah, je vais l'attaquer aussi, hein. Ouais. Alors lui, je vais l'éviter. Par contre, les autres, je peux m'en charger. Tiens, prends-toi ça, avec mes crayons. Il saigne en plus. Ah, il a raté quand même pas mal de son attaque. À mon avis, il est trop lourdeau, hein. Heureusement qu'il a raté, je pense. Hein. Oui, j'avoue. Oh, GG Kaorin. J'aime bien parce qu'on parle de Kaorin, mais il est pas là. Il joue pas avec nous. Pas mal de. Oh, ça c'est un artefact. Renvoie des dégâts. Plus dégâts physiques, plus santé, immunisé au vol. Ça oh, oui, bah, ouais, mais je sais. Non, vaut mieux que je le mette à, au forgeron, finalement. Oui, pour le forgeron, oui. Parce que dégâts physiques, lui, Kaorin n'en oui, fait pas. Oui, il s'en moque totalement. Ça va être excellent pour ton forgeron. Ouais, donc... Piège de hache, je vois. Alors, ça va être la grosse misère. Oh la vache, on peut prendre tellement cher. Ben oui, continuez. Résultat des déplacements. Réussite, ouais, passer. Ah, je peux passer et je peux laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Ce serait bien que ça tombe sur toi. C'est vrai que ton forgeron, il a une plus grande résistance aux dégâts. Réussite. Parce que si désactivé, ça va donner des dégâts de groupe, hein, par contre. Bon, allez, je mets deux trucs parce que bon, continue. C'est sûr qu'on n'aura pas besoin plus tard. Il n'y a que toi qui passe. Oui. Il n'y a que Kaorin qui passe, oui. Oh, merde. Dépêchez-vous, il y a du monde qui arrive. Je crois que Kaorin se sentait un peu seul, à mon avis, avec ces trois-là, quand même. Dépêchez-vous, les gars. Immunisé grâce au fameux ce pantoufle. Tu vois, si tu regardes bien, il a des pantoufles. Hein. Moi, je disais, c'est excellent. Ça peut être pas mal, ça, pour moi. Ah oui, vu comme ça. Attends, passer. C'est moche, moi aussi, ouais. Avec ça. Ouais, c'est bien. Ouh, le morceau de gelée. Oh, il t'a volé 27 What pièces. Oh, l'enfoiré. Il m'a volé mes pièces d'or. Je propose qu'on se focus sur lui, hein, parce que pour récupérer tes pièces. Ah oui, mais complètement. Rends-moi mes pièces. Faut le tuer rapidement, hein, sinon il peut se barrer, hein, clairement. Voilà. Donc toi, t'es immunisé contre le vol, mais c'est le vol de pièces, en fait, c'est ça? Oui, bah oui, c'est ça. C'est totalement ça, en fait. Aventurier mort. Vous avez trouvé la dépouille d'un aventurier à qui la chance n'a pas souri. Pied ou journal? Ah, on va regarder le journal.
Ouais. Alors, c'était Capitaine Kingsley MacRichard III. Avec cette hache et ce masque merveilleux, je me sentais presque invincible. Néanmoins, ces derniers temps, les batailles et les aventures commencent à être fatigantes et ennuyeuses. Je viens de trouver un endroit avec des herbes très puissantes et je vais m'intéresser de plus près à ces plantes aux multiples couleurs. Je viens d'avoir une conversation très intéressante avec un dragon barbu aux couleurs de l'arc-en-ciel en pantalon corsaire qui faisait des claquettes avec qui tu racontes. Avec des un dragon barbu aux couleurs de l'arc-en-ciel en pantalon corsaire qui faisait des claquettes avec des chaussures compensées. Non mais t'as pris de la drogue toi, c'est pas possible. Ou il a bu quelque chose qu'il fallait pas. Alors il me demandait pourquoi je ne volais qu'avec une seule aile. Non mais attends, t'es pas un dragon, toi tu voles même pas. Alors j'ai décidé de ramasser plus d'herbes. Oui, ok, tu les as fumées tes herbes. Alors, jeu de cartes. Un escroc à chapeau vous regarde du coin de l'œil. C'est bien parce qu'on le sait déjà. Si vous en avez... Oui, on le voit déjà. Si vous en avez les moyens, j'aurais une proposition intéressante pour vous. Les parieurs sont des entourloupeurs, mais ils ont un code d'honneur. Ce dernier stipule de ne jamais tricher et toujours payer ses dettes de jeu. C'est marqué en dessous. Ah oui. C'est pas mal, j'ai énormément de chances de gagner de l'or quand même. Ah, tu vois, j'avais raison de te laisser faire. Eh bah, essayons. Est-ce qu'on en parle de ça ou bien on commence... Il n'y avait que 4% de chance de tomber dessus. Bon bah tu sais quoi, moi je vais quitter, sauvegarder et non aller... mais t'es pas obligé de re-sauvegarder là. Sauvegarder, votre partie est...